Merci, mais c'est très gentil, gros. Eh, les viewers, n'oubliez pas, bah, si en fait, si vous êtes tassé bien comme il faut, n'oubliez pas de vous mettre bien, de vous. Installez-vous. Partagez le stream aussi, hein, surtout. Ouais, voilà. Hein. Partagez, on a vraiment du level. Si vous êtes dans les chiottes ou quelque chose comme ça, ça fait plaisir. À vous, voilà. C'est... Et c'est parti, du coup, on passe sur du OG Tombéry. Voilà, bah, comme tu l'as dit, un Wolf. Ah, et Tombéry qui est quand même plutôt aggro, hein. Je pensais pas, je pensais qu'on serait beaucoup plus dans l'attente. Mais je pensais qu'on serait dans l'attente de fou, et au final, c'est. Je lance la grenade, je viens, je dash attaque et tout. Carré. Franchement, carré. Attention, on rappelle que OG il a quand même un. Il y a une backstory avec les snakes, hein, on le rappelle, hein. Dis-moi. Bah, en gros, OG à l'époque où. Enfin, comme ça, à l'époque, genre quand il jouait plus Falcon que Wolf, il avait un perso démon, c'était les snakes. Et genre, il pouvait pas contre n'importe quel snake, frère. Genre, toi, t'arrivais, tu prenais snake, tu battais OG. Ah ouais! Et genre, il se faisait vanner de fou là-dessus, genre en mode OG le client à grenade, genre vraiment. Et il a taffé. Après, ça a arrêté, mais genre pendant un long moment, il avait cette réputation de tu prends Snake, tu détruis OG. Genre littéralement. Mais bon, là, je pense que là, ça va quoi. Ça va se passer autrement parce que maintenant, il y a King OG. Ah ouais. Il y a un grand Wolf là. La King. Ah ouais, la grande tatane directement là. Ça part fort. Mais. Je comprends pas pourquoi Tombéry il lui court après. Après, je connais pas le match parfaitement, mais frère, il joue avec les grenades de son adversaire, c'est trop gros, la jonglerie. Y'a pas à faire ça dans une vie. Je me suis dit, en fait, Snake, c'est soit il joue au tennis, soit on fait un petit foot. Voilà. Ouais, c'est ça, gros. C'est son pote à 3h de match, il dit donc c'est en foot. Vas-y, ouais, on y va. Snake, c'est pas un mec de l'armée, hein. c'est un mec du foot, gros. Ah, vraiment, c'est un mec de l'équipe du Brésil. Récemment, son transfert à 100 millions. Hein. on rappelle. Hein. Cuisine FC, c'est. Oula, c'est bizarre, c'est un peu les... Qu'est-ce qui se passe? Bah, deux fois, il a fait un. Je vais appeler pour un petit éthyloceste de la part de Tombéry, ça souffle rouge là, ça y est. Ah, vraiment. Là, il faut regarder s'il n'y a pas un casier judiciaire qui va avec. Hein. Il a eu un peu trop peur, le garçon, quand même. Là, hein. C'est pas blanc comme déjà. Il n'y a pas à avoir peur comme ça. En fait, il avait plus de saut, mais plutôt que de se contenter de genre faire des grenades reverse et tout pour exciter une mission, il a upbi. Mais deux fois. Il s'est fait encore taper. Il a encore upbi. Il s'est encore tapé. Il est encore upbi. Il est mort. Voilà. Ouais. C'est. Là, on a son super pote Phoenix qui regarde le set, mais genre intensément, frère. Big up à Phoenix hein, qui nous regarde. Oh, Phoenix, gros, vraiment. Le ref. Et tu joues Snake, donc t'es pas de la commu. Donc va là-bas. Attends, c'est moi ou il vient de le grab alors qu'il était en train de crouch, Tombéry là? Ah oui, non, mais il la grab pendant qu'il crouchait. Ok. Tu sais que le crouch de Snake, ça passe le up smash de Ganon, je passe, t'as vu, c'est comme ça. Le back hit, oui. Du moins. Oui, le back hit parce qu'en fait, il a anti-axis, c'est pour ça. Ouais, c'est trop nassin. Hein. On n'arrive pas à Nikita au stage quand même, hein, ça devient très très dur là-dessus. Hein. On n'arrive pas à Nikita, on n'arrive pas à prendre la stock, on n'arrive à rien, ça y est. Ah bah vraiment. Hein. Bientôt la route, Red, là on n'en peut plus. C'est qui commence à se faire vieux quand même. Hein. Oh là là. Aïe, mais la Jordan en bottle, c'est trop. Cette Jordan là, elle est meurtrière en fait. Oh frère, j'aimerais bien reprendre les termes d'un chanteur qui s'appelle le Joule. Là c'est plus cheveux longs comme Nikita, c'est vraiment bah, la stock très très longue comme Nikita. Vraiment, la Nikita touche plus la stock, elle est trop longue. Hein. C'est fini, hein. Stock aïe, trop longue. Aïe. La Nikita, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Ah, on a fait les bans pour une fois. On fait les bans maintenant. Ah. On tourne normalement, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? On a un rule set ici, frère. Monsieur, non. Est-ce que tu te rappelles à l'époque où sur le rule set, Lailat était un stage volant? Tu te rappelles de ça ou pas? Sur les trucs ah, de Paris. Ah, d'accord, mais comme les goals volants là. Vraiment, mais c'est un concept que j'aimais trop et j'aimerais trop que NTK le refasse. En gros, pour ceux qui savaient pas. Très peu de gens aiment Lailat et en gros si les deux joueurs qui s'affrontent étaient d'accord, on pouvait remplacer Lailat par un autre stage. Et dans les stages il y avait Dreamland, il y avait Smashville avec les hasards. Ah, cette époque sombre, d'accord, c'est et... j'ai quitté la commune. Ah gros. Mais t'imagines, tu joues avec Smashville et là oh, gros. Mais ouais, je fais la stock. Monsieur, 6h45. Oh, il l'a arrêté. Il l'a grignoté. Il l'a mangé, gros. Non, y a pas à jongler avec un mec comme ça. Ah, un grand monsieur comme ça de la barbe. Ah c'est fini hein. Snake il a pas le temps, il est là. Ah, ça c'est depuis qu'ils ont nerf son postérieur ça. Maintenant, vraiment. Il a perdu du poids, ça y est. Gros, ben Snake, ça y est, il est plus de notre époque. Il est là, il a 45 ans, il a un crédit, une femme de Labrador. Il a plus le temps de jouer à Smash, hein, gros. Hein. Il a un crédit sur 20 ans, il doit rembourser là. Ah vraiment, ben, c'est pour ça qu'il joue à Smash, frère. Ouais, c'est pour ça. C'est pour rembourser le crédit, gros. Hein. Il s'en fout de la bagarre, lui. Hein. Il veut juste des thunes. Hein. Ah, ça a pas envoyé du bon côté, ça, c'est dommage. Je vois Nikita, en fait, je me dis, c'est comme si t'envoyais Lucina à Edgeguard quelqu'un. C'est voilà, en fait, tu fais Nikita, comme ça là. Moi, attention, j'ai toujours. T'as halluciné, elle arrivait quoi en backer, voilà. J'ai toujours dit, la Nikita, c'est le meilleur perso du jeu, frère. Vraiment. C'est incroyable. Et franchement, c'est grave smart parce qu'en temps normal, on n'aurait pas l'habitude de voir des snakes qui abusent beaucoup du crouch. Et OG, il se fait vraiment pas avoir et il arrive tout le temps à le taper quand il crouch comme ça, genre. Parce qu'en temps normal, on whifferait plein de moves parce que le mec, il pancake. Mais OG, il est en mode. Pas avec moi, jeune homme. Non, on fait pas ça ici, monsieur. Non. Vous allez vous relever comme tout le monde, hein. Attention. Oh, bien vu. Je m'attendais à un petit. Le Tomahawk, ouais. Bien vu. Ouais. Franchement, très très bon le Tomahawk, petit.
Wesh, wesh. Oi, oi, oi. Faut se battre contre son adversaire, monsieur, pas contre les grenades, hein, là. C'était Luigi Mansion 12, là. Allez, hop, on tape l'oxygène. Ah, putain, l'oxygène, je vais bien tuer, là. Ah, on a eu une ride, mais malheureusement, c'était un peu trop lent. Cette intro, elle est trop mystique aussi. J'aime pas. Franchement, ça me fait peur. Ouais, c'est une intro. Ah, putain, ah oui, l'épée de Marie. Oui, vous oubliez. Mais... oui, il y a une épée vers le dentil de Snake. Non. Alors, dès qu'il a raté le downer, il a fast fall immédiatement. Hein, il a oui. Fait, non. Allez, je me barre d'ici. Ah, c'est la non-punition zone. Hein. Il faut faire très 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 attention là. Hein. Et Tom Berry qui meurt pas quand même. Hein. Il tient le bouquin. Ah, Tom Berry, il est là, il est présent. Il tient le fond. Mais en même temps, depuis tout à l'heure, il est sur un game plan basé sur la fuite. Bah, on rappelle le casier judiciaire, hein, on en parlait tout à l'heure justement. Hein. Bah, oui. Il a pas envie de se faire attraper par la bague. Et ça marche, c'est efficace de ouf. Hein. Franchement. Il est bon de rappeler à New York voilà. Que jouer. Il est bon de rappeler que plus vous courez, plus vous allez vous faire attraper durement. Oui, c'est ça. Le fils qui est venu. Voilà, ça y est. À gros l'URSSAF, toc toc toc. À gros les. Oh les 12K là, les 22%. Ramène-toi. Non, mais genre. On va prendre tous vos meubles, le Labrador aussi, hein, ça à nous maintenant. Jouer sur la fuite, c'est pas jouer lame. Attention, hein. Attention, jouer sur la fuite, c'est. C'est un gameplan comme n'importe lequel. Ouais, c'est ça, et c'est un gameplan beaucoup plus efficace. Dans Smash, c'est celui. Oh. Aïe 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 aïe. Vraiment, hein. Oh d'accord, bah un large drum qui était au side B, j'ai eu peur hein. Ok. On a voulu essayer de spike avec le flash là. Ah ok, putain super. La grenade qui permet de recoller. J'ai oublié. Le combo break. Ouais, voilà. Je sais pas, franchement je. J'ai dit un qui mot. Permet de scapabouliboulouab. T'as commencé à parler moldave mon frère. T'as monté une nouvelle langue au plein milieu. Ah je te jure. Qui permet de. C'est voilà. Trop dans ça. Mais tu sais que le bail du combo breaker avec la grenade, il y a un truc qui est spécifique avec Ganon. Genre, tu sais le genre de truc sombre qu'il y a que MGK qui l'a, tu vois. Oui, voilà. On peut ladder, snake ou up B. Genre, s'il fait que grenade, on fait up B, ça explose et on peut le ladder. C'est le genre de setup. Je sais pas, il y a une nuit de pleine lune mystique comme ça, mais qui se dit, bah attends, une année. Tu as un truc là. Une année bisextile, gros. Oh non. C'est trop trop grave. On joue. Ah ouais, tu vois, depuis tout à l'heure, on voit un Tom Berry qui est assez offensif et tout. Genre, il envoie les grenades, il vient, il fait des dash attacks et tout. Mais là, on attend quand même. Hein. On attend de fond, on essaie de courir des choses et on a arrêté de faire des grands up smash au ledge parce qu'à chaque fois qu'il le faisait, OG le punissait, tout simplement. Des grands puissants. Il était là-bas, il est mort là-bas, il a disparu. Il a de la téléportation instantanée, gros. Trop grave. Aïe, 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 aïe. Alors oui mon cher Astral Sir Knight, t'as eu les deux noms juste en fait. Mais comment il sait? Mais comment il a deviné? Il est trop fort gros. Il est trop fort. Bah Astral Sir Knight gros, il est dans l'espace frère. Eh moi que je pensais c'était un mec qui servait. À quoi il servait dans la commu là, merde voilà. Ah, là, là. C'est bon, il retient nos noms, ça y est. @dramaqueen sur Twitter on rappelle. On est là. On le rappelle hein, bien évidemment. Warthogs Drama Queen. Je suis fatigué, à chaque fois je commente avec toi, mais je perds 10 ans d'année 10 ans d'espérance de vie. Alors attends, attention, parce que Sir Knight c'est soit. @dramaqueen ou @tête de turc frère. Warthogs. Ça c'est saisonnier le mec, à un moment je suis comme ça. En gros il fait des CDD là dans la commission match, à chaque fois ça me termine. Aïe aïe aïe. Je suis sur le téléphone, c'est écrit tout petit. Ah mais il y a le nom des casters. Ah mais il y a Noblas frère. Ah bon, ah ouais on est là. Il y a juste Noblas, il y a la carte de visite. Quoi. Maman, regarde, il y a mon nom écrit sur le stream hein, de NTK. Vraiment. Alors retourne sur PS2. Ok, lourd. Encore une fois, alors il est bon de rappeler, même si sur Panam on aime beaucoup prendre PS2 et tout. Enfin, je sais pas si c'est un avis qui est véridique, mais moi on m'a souvent dit à tort que PS2 n'est pas un stage neutre. Attention, genre, on m'a souvent dit PS2 c'est pas neutre, il faut faire gaffe. Tu dis souvent PS2 est paré. On va commencer, tu vas commencer à ne plus dire ça, s'il te plaît. Mais c'est réel, je sens ça. Vous me dites que vous êtes raciste, hein, à tout moment vous dégagez. Ah hein. Oh là là. Le jour il est mort, oh non, ça va. J'ai flippé, hein. j'ai peur un peu. Hein. Ah, voilà, voilà, Cernet qui vient te couper voilà. Pour te dire que c'est pas neutre du coup. Non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Ah voilà, donc on est d'accord. PS2, c'est vraiment pas très très neutre. Hein. Donc ceux qui disent en tournant, ouais, je vais prendre PS2 parce que bon, ça va un peu pour tout le monde et tout. Ça va pas pour tout le monde. Mais monsieur, en fait, il faut comprendre qu'il y a dans Smash, il y a des. Comment dire, des blast zones. Voilà. Des blast zones. Le public. Exactement. La couleur verte, du coup, fallait qu'il prenne un skin vrai, hein, qui se crouche tout le temps, tu vois, invisible. Oh merde, il est ouf. Vraiment, tu sais que je parle de ça, mais il y avait une rumeur comme quoi à l'époque Gluttony il choisissait son skin en fonction de la map. En fonction de la map, ça me fumait de rire. Ça, peut-être c'est réel, on sait pas. En mode, c'est un call-off le truc, c'est. Vraiment? Ah putain, on est dans la neige, attends, je prends le skin blanc là. Oh. C'est vraiment ça, gros. Hein. Mais tu sais que les main game notch, ils devraient faire ça, frère. Hein. Oh, mais les main game watch sur Smash 4, oh, skin blanc sur FD, QR dodge, il est où? Il est où? Il est disparu. Oh là là, une tache de lait dans la neige, frère, hein. Vraiment, hein, c'est. Va chercher, hein. Va t'amuser à trouver ça. Hein. Et en attendant, c'est quand même en l'avantage de Tom Berry, bon, qui envoie des grenades un peu dans le vide. Hein. Ah, il jette Roland Garros, on t'a dit, hein. C'est ah ouais, mais... le service, hein. 15-0. Oh ah frère, il jette des cailloux dans la flotte, terre un môme là, vraiment. Hein. C'est.
sais quand tu t'amuses à faire des ricochets là. C'est pareil gros. Il est à la Allez, hop, hop. Après tu montres à ta mère, oh, j'en ai fait deux, c'est bien. Mais en vrai tu sais que moi, genre j'aurais pas trop le mental sur ce genre de match-up parce que genre OG frère il est là, il arrive à gagner une neutrale, il a l'avantage grenade. Allez, t'as avantage inexistant frère. Y'a pas d'avantage gros. Ah c'est bien, tu as réussi à m'approcher dans le neutral, tiens voilà, une grenade. C'est ça. Tu as gagné. En fait genre il a. Le perso Snake il a un bon désavantage et un mauvais désavantage. Genre quand il est comme ça, tu vois c'est chaud de fou, mais quand on parle de petit avantage à 20%. Comme ça, ouais. C'est chaud de fou aussi, tu vois. Non. Tu sais pas, c'est. Non, les bails de combo breaker, je veux dire, tu vois. Alors ah ça, oui, oui, non, il, mais... prend, il prend un peu des pourcents pour lui, tu vois, ça fait. Mais moi ça fait plaisir, tu vois, il dit ouais, je build ma rage, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. Après, on n'a pas encore parlé du uptil parce qu'en fait, il croit, on l'a oublié. Ouais. Le uptil de Snake, hein. Non, mais le uptil de Wolf aussi, mon ref, les deux. Bah, les deux, mais tu crois pourquoi ils sont racistes, les deux hein. Bah, vraiment. Oh il l'avait. Je crois que je vais arrêter de parler, hein, c'est trop, hein. C'est. Il avait. Oh, ça encourage de fou zinzin Tom Berry dans les gradins, là. Les gradins PS2. Attends, je viens de capter, mais je croyais qu'il y avait 2-0 là, mon ref. Mais il y a un partout. Je croyais qu'il y avait 2-0 pour Jim. Ouh, je croyais qu'il y avait 2-0 pour Roger là. Je préviens à ma mère que je rentrerai plus tard. Hein, ah, ouais, ouais. Ah là, on est encore demain. T'as pris un sac de couchage ou c'est comment là? J'ai une tente quechua à la limite. Franchement, ça va. Hein. Je mets en dessous, voilà, comme ça. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai réservé mon ticket pour Rompichland là. Hein. Ah gros, hein. Ça y est, le billet est pris. Ça y est, la non-interaction est présente. Ah non, Roger qui a dit finalement, je viens. Il a, franchement, c'est fort parce qu'il a quand même réussi à trouver un chemin au travers des grenades. Et frère, moi, j'ai pas envie. Hein. Moi, franchement, j'attends que les grenades elles pètent et tout. Hein. Lui il a dit ok, genre. C'est ce qu'il veut. Tu vas attendre que les grenades elles pètent, on va mettre d'autres grenades. Et en fait, à chaque fois que tu vas avoir une grenade, ah merde, faut que j'attende. Ah ouais, ah merde. Ah putain, mais elle est encore là. Après, techniquement, OG il pourrait jouer hyper lame, juste contenter de Blaster, Shine. Blaster, Shine. Shine, ou alors en mix-up, il attrape la grenade, il la rejette. Blaster, Shine. Blaster. Mm-hmm. Je pense que tu peux faire ça en vrai. Hein. Bah, à ton avis, pourquoi les matchs de tennis ils durent 11h? C'est pour ça, hein. C'est pour ça. 11h30, gros. Hein. Et nous, on est les arbitres de tennis, sur des guignols, voilà. Gros. On est les mecs qui disent 15-0. Eh, y'a faute là. Eh, Federer, la merde. Tu sais que ça me filme comment les arbitres de tennis, ils ont aucun flow, mais ils imposent le respect. Genre, dès qu'il y a des gens qui parlent, ils sont là. Chut, t'as déjà vu des arbitres de tennis qui remettent en place le public ou pas, frère? Ils sont là. Et tout le monde ferme sa gueule. C'est même pas ça, c'est en fait, il y a un arbitre qui va faire une décision, le public il est pas d'accord, enfin, ouh, le public. Chut. Ouais, juste chut. Mais j'ai payé ma place, que pourquoi tu me dis chute? En mode c'est ton daron en crocs, c'est genre là, bon, allez, chute là gros. Hein. Chute, ta mère elle dort là. Oh non. Oui. En fait, on parle. Alors, soit il avait le C4 sur lui, mais je pense pas. Je crois que en fait il était dans la blast zone, il a envoyé un C4 et frère, vu qu'il était dans la blast zone, ben on n'a pas vu. Ah bah oui. Surtout que le C4 il fait genre littéralement moins 18 hectares carrés, tu vois, donc on le voit pas. Et vraiment, il a pas vu, il a fait péter en l'air. Fin du game, gros. GG, serre ma main. C'est. Voilà, serre-moi la main là. Covid, c'est quoi ça? Serre ma main, frère. Ouais, c'est ça, il l'a lâché depuis ciel, exactement. Depuis ciel, hein, mais oui. C'est. Ah, vraiment, tel un os gros, aéropiqué dans sa face. Ah oui, non, mais on lancera de Pokémon, hein. Bah, c'est Desmart dans le sens où, vu qu'il était dans la Blast Zone, tu le vois pas, frère. Tu sais pas. Tu sais pas du tout. Et encore une fois, PS2 et Tom Berry qui reprend l'avantage de zinzin quand même, hein. J'aime pas ce qui se passe là. J'aime pas commencer par des fausses tools, tu vois, ça c'est une déclaration de guerre en fait. Faudrait que je m'intéresse en termes de frame data, quand Snake il est en shield et qu'il y a une grenade qui explose dans son shield à lui quand il l'a en main, ça lui prend combien de temps de pouvoir agir après? Parce que genre, là OG il a vu qu'il avait la grenade en main et qu'il est en shield, il attendait. Dès que la grenade elle explosait, OG il est arrivé, il a tapé direct, mais est-ce que Tom Berry il avait le temps de faire quelque chose, tu vois? Ouais, moi je pense que tu te penses trop loin. Est-ce que quand eux ils jouent, parce qu'on a des questions, pour eux ils ont vu une grenade péter, waouh. Oh là là. Comment j'ai fait? On commence. Est-ce qu'il faut avoir un cerveau pour jouer Wolf et Snake? Non, ouais. Il faut pas dénigrer les joueurs, c'est pas bien, frère. Non, c'est pas bien, mais on pourrait peut-être faire un petit vote dans le chat, tu vois. Tu vois comme il fait Chris dans les votes là. Dans les mais ça c'est à la régie de faire genre de et oui, mais... ou s'il y a des modos. S'il y a des modos de lancer des prédictions. La régie corrompue, on veut pas. Non, il faut écouter le peuple. Est-ce mais Assassin's Creed, il est modo. On peut lui demander de lancer une prédiction. Oh. Arnaud, quel perso demande le moins de cerveau? Quel perso est le plus débile, genre? Le moins ou le plus? Le moins. Nous, on cherche à savoir qui est le plus débile, pas qui est le plus intelligent. Bah parce qu'en fait, on veut pointer du doigt, nous, on veut pas mettre en avant. Bah, c'est ça serait bien de dire qui est le moins con. Ouais, j'avoue. En vrai, moi, je pense, Snake, t'as besoin vraiment de trop de cervelle. Et il est en train de prouver mes propos, là. Il est en train d'appuyer ce que je dis.
Enfin, c'était littéralement une copie de français. Genre, mettez un exemple pour prouver ce que vous dites. Ouais, genre, c'est ça. Là, tu dis un truc, mais montre un exemple. Ok, bam. C'est les questions de maths là. Ouais. Quel est le résultat de. Mm-hmm. Tu peux pas mettre juste le résultat. Ouais, voilà. Expliquez-moi pourquoi. Non, tu sais, genre, juste tu lis le mot justifié. Ah, c'est ta merde. Encore what? Encore what, bâtard? Tu sais, genre, faudrait que. Je suis sûr que, tu sais, genre, vu que nous, c'est plus de notre époque, je pense que les mecs, genre, des années 2000 et tout, dans leur copie, il y en a un, c'est sûr, c'est écrit justifié, il a mis source, crois-moi, mec, tu sais, genre le même là. Il l'a écrit sur sa copie, justifié, crois-moi. Non, mais moi, je faisais ça, non, je faisais pire. T'avais l'intitulé de la question, quel est le calcul de tu. Ouais. Je sais pas, mm-hmm. Mais le calcul de truc est blanc. Voilà. Il y a rien. Ça y est. Juste pour avoir écrit, en fait. Tu fais un QCM au prof. Et la réponse est petite A, nanana, et tu lui dis trouve. Vas-y, trouve. Toi, trouve maintenant. Toi, trouve, et après, corrige. Démerde-toi maintenant, c'est fini. Ah, non. Sam, il est mort, hein. Voilà. Alors après, encore une fois, vu qu'il nous fait des setups plutôt de ouf. Ah, attention. Ah bon? Ah. Ah mes frères, on a un atelier cuisson. Ah mais ils se sont chauffés aujourd'hui, hein, parce que pour ceux qui sont sur le chat un peu, genre ce tournoi il a été sur 2 jours. Et hier du coup il y a eu le premier jour et il y a eu des retours pas un peu négatifs, mais il y a eu des critiques constructives sur ce qui s'est passé hier à l'événement et tout, tu vois. Beaucoup de retours. Et franchement aujourd'hui ils se sont améliorés de fou. Genre là on est en train d'entendre, il y a des dégustations, il y a plein d'activités et tout. Il n'y avait pas ça hier, frère. C'est vrai. Parce qu'on rappelle qu'en fait on a payé pour tourner un Smash et aussi pour un festival qui traîne à côté. Mais monsieur, ici c'est la Gestapo, vous avez pas le droit de dire critique. Non. Tout est bien, d'accord, on arrête. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a un grand mec habillé en noir derrière, il me regarde. Arrête. J'aime pas. À tout moment j'ai plus d'épaule. Et par contre Tombéry il est revenu, hein. Il avait une stock de retard de fou. Et par contre là Tombéry il saute, il est mort. Faut pas sauter, hein. Mon ref resto sur moi les deux Non. Aïe, non. Donc le backer il a ça hors spot, mais le petit. Oh putain gros. Oh non. Le backer il a touché gros, je comprends pas pourquoi il a pas explosé. Ça hors spot. Mais même un ça hors spot, ça t'envoie pas à 2 mm gros, tu t'envoles. Ah, elle est bizarre l'ambiance ici, hein. Aïe. Oh, j'aime pas le type beat là, hein. Vraiment. Dépression type beat là, j'aime pas. C'est... Ah non, ouais. C'est chiant, c'est chiant. Ah ouais. Bon, vous l'avez peut-être vu, mais OG là il est pas content. Hein. Ah, mais je comprends. La coup dure, ouais, c'est. Non, mais je comprends, le backer il a touché, hein. Le backer il a touché, ouais, de ouf. Tu perds sur ça. Frustration.